Bonjour, bonjour et bienvenue à tout le monde ici pour ce workshop où je vais te montrer comment moi j'ai créé mon tout premier cours en ligne il y a exactement un an. Et après, on va faire un hot seat, donc une personne peut venir ici avec moi dans la vidéo. Et on va donc faire un brainstorm, tout le groupe et moi, pour voir quelle est l'idée que toi tu as et comment tu pourrais créer avec cette idée un cours en ligne. Donc, je fais ceci dans le cadre du cours en ligne de la Samba Summer School que lance ma business coach Sigrun. C'est elle aussi qui m'a vraiment aidée ensemble avec le groupe à créer cette Summer School. Mais j'avais vraiment envie de te donner une instruction pas à pas. Comment j'ai fait, enfin une instruction, de te dire comment j'ai fait et avec quelle facilité et quelle joie et quelle énergie. Donc, ce que j'aimerais faire aussi, j'aimerais tout de suite streamer notre workshop dans mon groupe. Et si tu me laisses une seconde, je fais ça tout de suite. Ici, alors, From Passion to Online Business. Et comme ça, les personne dans mon groupe porte ce projet, Chandora porte ce projet, tu peux rejoindre ce groupe parce que là-dedans, dans ce groupe, on a des discussions qui vont plus loin que juste mon workshop. Tu peux faire des sondages et tout. Il y a une centaine de personnes là-dedans. Et alors, je vais essayer de trouver. Donc là, si tu veux, tu peux rejoindre le groupe. Moi, je partage maintenant ma vidéo là. Hop. Et donc, on va pouvoir être prêt dans le groupe. Je me rapporte ce projet et voilà, comme ça tout le monde peut nous rejoindre, parce qu'en fait ce qui se passe, voilà, je vais remettre cette fenêtre à mon écran à gauche. Ce qui se passe, c'est que ce n'est que quand tu es ici dans le Zoom que tu vas pouvoir être interactif avec moi, où tu vas pouvoir poser des questions, je vais pouvoir te répondre. Si tu me vois ici sur la page Facebook ou tu me vois dans le groupe Facebook, je ne te vois pas et je ne peux pas te répondre. Et surtout, tu ne peux pas venir dans le hot seat. Donc, si tu arrives avec, si tu n'as pas l'habitude de Zoom, tu arrives sur le lien, tu mets ton nom et tu t'enregistres et tout de suite après, tu peux nous rejoindre ici dans le Zoom et je me ferai donc un grand plaisir de t'avoir. Ok, donc, la Samba Summer School, c'est une idée que Sigrun a lancée l'année dernière au moment, et je l'ai déjà dit souvent, mais peut-être que tu n'as pas encore entendu, au moment où je partais en vacances. Je faisais mes bagages, on avait tout, tu sais comment c'est quand tu pars en vacances, tu dois clôturer un tas de trucs et c'est toujours le rush, en tout cas chez nous. Et voilà, Sigrun vient avec cette idée. Je me dis, mais jamais je peux. Moi, pendant que censée lancer mon programme, je vais être en train de faire mes bagages. Après, je vais être pendant 3 jours sur les routes. Je vais être sur la traversée pour la Corse. Après, je vais être là en train de m'arranger pour monter l'auvent de la caravane, etc. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Mais quand Sigrun, donc ma business coach, pour celles qui ne la connaissent pas, lance une idée, je me dis, ça, c'est une occasion en or que je ne peux pas laisser passer. Je ne peux tout simplement pas. Je me dis, je m'en fous. Je lui fais confiance. Et je ne sais pas comment ce sera, mais je le fais. Et alors, ce qui s'est passé, et je le raconte ici parce que cette occasion que moi j'ai saisie il y a juste un an, elle m'a changé totalement ma vie. J'ai créé mon premier cours en ligne et j'ai vendu ce cours déjà 2 fois. Et donc, j'ai récupéré largement l'investissement dans Zamba que j'avais fait en janvier dernier. Et pas seulement ça. C'est aussi cette sororité que j'ai créée autour de moi, tous ces clients magnifiques que j'ai rencontrés, ces témoignages que j'ai eus qui m'ont vraiment mis les larmes aux yeux, où j'ai pu enfin comprendre que mon travail fonctionne en ligne et qu'il y a une demande pour ça et que c'est vraiment magnifique. Et donc, j'ai pu le prouver à moi-même et à une centaine de personnes qui étaient dans mon groupe. Et donc, je suis partie à zéro, en fait. C'est vraiment, je pense que c'est à zéro, j'avais eu pas beaucoup de clients avant. Donc, si toi, tu es dans une situation où tu dis, j'ai une chouette idée, viens ici nous rejoindre dans ce call pour chatter ensemble. Donc ici, pour toutes celles qui sont là, mettez un peu
dans quelle étape vous vous trouvez? Est-ce que c'est, vous êtes à l'étape de j'ai une petite idée ou j'ai encore, je suis dans le flou concret, complet ou je travaille déjà, j'ai déjà un business? Mettez-moi ça ici, comme ça, on peut partager tout ça ensemble. Donc, vous savez comment ça marche. Vous êtes dans le chat et vous travaillez, vous mettez des choses dans le chat et comme ça, moi, je peux vous voir. Donc, Sigrun, elle lance ça il y a un an. On avait en fait, et elle va le refaire, je ne sais pas si c'est exactement pareil, mais certainement très semblable parce que le système a tellement, tellement bien marché. Je regarde la conversation. Voilà. Alors, j'ai une petite idée. J'ai l'idée, le reste, tout est à faire. Ah, bien. Donc, 2 semaines, elle nous a laissé. Et puis après, il y en a qui se plaignaient. Oui, mais il me faut plus de temps. Et Sigrun, elle nous a dit, écoute, je ne veux pas, I don't want you to overthink. Je ne veux pas que tu, je ne veux pas que tu réfléchisses trop. Et ça, c'était ce qu'il me fallait. Moi, j'allais sinon, tu sais, Gudrun, la perfectionniste, j'allais me mettre en mode perfectionnisme et commencer à réfléchir pendant du genre 3 ans avant de oser faire, mettre quelque chose et puis personne ne l'achète. Donc voilà, de toute façon, là, dans cette situation, qu'est-ce que tu veux que je réfléchisse trop? J'ai dit oui, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir les gens dans, dans mon groupe. Alors, comment est-ce que Sigrun nous a poussé à Foucault? Non, comment est-ce, quelle instruction elle nous a donné? Et là, je ne sais plus exactement, mais certainement, c'était, elle a dit, voilà, tu écris un post sur sa page Facebook, que tu aies zéro personne sur ta mailing list, mais tu crées un post. Et le post est gratuitement, je donne un cours au mois de juillet, la Summer Summer School. Et là, elle nous a même donné un texte à mettre, donc tu devais l'adapter évidemment. Et puis, elle nous a expliqué comment on peut faire un peu de pub sur ça. Je suis presque sûre. Et donc, d'une manière vraiment super méga simple, je suis arrivée à avoir sur ma mailing list, je pense, 120 personnes, ou une centaine en tous les cas. Et donc, ces gens-là, évidemment, je les ai invités à rejoindre mon groupe Facebook. Et là, j'ai eu 54, ce qui est énorme pour moi. Je n'avais jamais eu ça. Et donc, je pars en Corse. Et le timing n'est plus très clair dans ma tête. Mais une fois que tu, je ne sais pas, tu n'as peut-être jamais fait ça. Dites-moi un peu ici dans le chat qui a déjà fait un groupe, qui a déjà eu un groupe Facebook. On va regarder ça. Donc, toutes celles qui me regardent et qui ont envie de même avoir juste une petite idée comment créer mon cours en ligne, venez nous rejoindre, comme ça vous pouvez participer à mes questions, que je puisse vous voir. Non, pas encore, oui. Alors, voilà, non. Ok, non. Alors voilà, vous n'avez pas encore l'expérience de cela. C'est très simple. Tu crées sur Facebook, créer un groupe. Tu as une page, tu crées un groupe, tu as un profil, tu crées un groupe. Ça, c'est fait en 3 minutes. Et une fois que tu as ce groupe, tu leur envoies aux gens un email pour dire, voilà le lien pour le groupe. Donc, celle qui part vraiment de zéro, je n'ai même pas de page dédiée. Oui, alors, c'est vrai que pour avoir un business, si tu utilises Facebook, et ça, c'est ce que je recommande vraiment pour le moment, c'est le moyen le plus facile parce qu'en plus, il est gratuit. Et plus presque tout le monde est sur Facebook. Donc, il faut une page. Et créer une page, c'est parler ce matin avec quelqu'un, c'est aussi en 3 minutes, c'est fait. Vraiment, c'est pas compliqué du tout. Et pourquoi une page? Parce que sur la page uniquement, tu peux faire une publicité Facebook. Donc, sur ton profil, tu ne peux pas en faire une. Et franchement, peut-être que tes amis ne sont pas tes clients idéaux. Et peut-être qu'après, si tu se mets Gudrun, ne parle que de son business, ça ne m'intéresse pas, je suis son ami. Tu vois, donc il faut une page. Et donc, tu invites les gens avec ton mailing et tu dois avoir un système professionnel de mailing list. Et je recommande, moi, MailChimp, je sais que ce n'est pas le meilleur système une fois que tu grandis. Mais au début, je crois que c'est jusqu'à 1000 personnes ou je ne sais plus combien. Il est gratuit en plus, avec des fonctionnalités de base parfaitement faisables. Et donc, avec MailChimp, tu conduis les gens, tu les invites, tu reçois un email et tu les invites à rejoindre le groupe Facebook. Donc, je t'ai dit, j'ai eu 100 personnes et uniquement 54 ont rejoint Facebook, c'est normal. Tout le monde ne rejoint pas Facebook quand il s'inscrit, surtout pour un truc gratuit. Hein. Attention, pour le truc gratuit, tu vas avoir beaucoup de gens, mais aussi beaucoup plus de gens qui s'inscrivent et puis font rien. Il faut juste le savoir, mais tout ça, c'est pas grave.
Alors, je n'ai pas compris le nom pour la mailing list, Mailchimp. Il existe beaucoup de systèmes, je vais le mettre ici dans le chat. Mailchimp. C'est ce que j'utilise pour le moment toujours. Si vous avez l'habitude de recevoir mes emails, vous voyez toujours ce qui est bien avec ça. Pas envoyer ça avec Google, je recommande, ou avec ta boîte normale. Parce que dans Mailchimp, tu as cette possibilité tout de suite à que les gens puissent se désinscrire. Parce que tu ne veux pas avoir des gens dans ta liste qui n'aiment pas ce que tu leur envoies. Tu leur offres chaque fois la possibilité de s'inscrire. Et je crois qu'aussi, avec cette nouvelle loi sur la confidentialité des choses, tu dois avoir quelque chose comme ça. En plus, Mailchimp t'offre des statistiques. Tu peux voir qui a ouvert, combien de gens ont ouvert. Et j'ai fait une vidéo pour enseigner les bases de Mailchimp. Je vais vous la mettre dans le groupe porteuse de projet. Vous voyez, comme ça, quand tu vas démarrer dans Zomba, si tu rejoins Zomba, tu trouves tout ça. Mais vraiment. Et puis, de toute façon, je suis là aussi, hein, pour toutes celles qui joignent Zomba, qui sont mon petit groupe. Oui, le GDPR. Oui, voilà. Les gens qui joignent Zomba, en étant dans mon groupe, reçoivent de moi un bonus et je suis là. Alors, ça devient de mes Zomba bébés. OK, donc, j'ai fait donc ça. J'ai fait le post sur Facebook et j'ai donc mis une petite publicité dessus et les gens ont commencé à s'inscrire. Et c'est vraiment très, très sympa parce que je leur ai simplement dit, écoutez les gars, merci pour vous être inscrits. Je suis en route pour les vacances. On commence le cours telle date et top chrono, soyez prêts. Et je leur ai expliqué, tout va se passer dans le groupe Facebook tout simplement. Le cours est gratuit, vous aurez le contenu de ce que je sais enseigner et ça dans le groupe Facebook, dans le post Facebook. Et ça, Sigrun nous enseigne ça parfaitement. C'était un cours de 4 semaines, ok? Ça, c'était pour tout le monde pareil. Et tu devais donc avoir une idée de 4 dans ton sujet. Et 4 petits pas. Le danger, quand on donne un cours en ligne, n'est pas de donner trop peu. Je crois que le danger pour les gens qui font ça, c'est de donner trop et de complètement submerger les gens. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais déjà appris parce que c'était mon genre de donner tellement de choses que les gens, ils sont quittés tout de suite. Donc ça, c'était avant la Summer School. Mais Sigrun donne ses instructions pas à pas comme ça et elle est super présente, elle répond à toutes les questions. Et aujourd'hui, elle a annoncé en plus qu'elle va donner, je crois que c'est le 27 ou le 28, une masterclass pour toutes celles qui n'ont même pas encore une idée. Après ça, tu vas avoir une idée. Donc, magnifique. C'est tout ce que je peux dire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait donc? Je suis partie en vacances et je leur avais envoyé ces petits emails. Donc, pendant les 3 jours où je voyageais, je ne faisais rien et ils savaient ça aussi. Et donc, quand je suis arrivée en Corse, on a un petit bateau là pour la plongée. J'étais sur le bateau. Je vais voir si je trouve la photo, je pourrais la partager. Attends, je vais regarder ça. Vous allez voir, c'est vraiment assez comique avec quel I see. Je vais voir, je suis sûre que je l'ai. Est-ce qu'on voit la... Non, non. Où sont les autres? On ne le voit pas, ok. On ne voit pas cette vidéo. J'ai fait une vidéo le jour avant que le cours commence. J'étais sur le bateau, tu vois la vidéo comme ça. Et j'ai dit, écoutez les gars, j'espère que vous êtes tous dans mon groupe Facebook parce que demain, on commence. Et j'ai pris cette vidéo sur le Facebook Live que j'avais fait dans le groupe. Je l'ai téléchargée sur... je crois que maintenant, on ne doit même plus. Hein. Moi, j'ai une application dans mon téléphone et je l'ai envoyée. Mindship était aussi sur mon téléphone et je l'ai envoyée comme ça à toute la liste. Donc, les gens, ils ont reçu, si tu veux, mon cours en ligne. Sur la mailing list, je leur envoyais les vidéos que je faisais, mais les échanges, ça se passait dans le groupe et entre les personnes dans le groupe Facebook. Et donc, non seulement les gens recevaient, bien sûr, par email chaque semaine une vidéo, mais s'ils étaient dans le groupe Facebook, ils avaient le soutien du groupe, les discussions dans le groupe.
Et voilà, je vais lire un peu ici. Moi aussi, par contre, je ne vois aucun commentaire dans le chat. Est-ce normal? Alors, le commentaire dans le chat, si vous mettez un commentaire, moi je les vois, s'il vous plaît, mettez commentaire à tous les conférenciers. Donc, si vous mettez un commentaire et que vous ne le réservez que à moi, il n'y a que moi qui le vois. Donc, merci Francesca. Donc, si vous mettez le commentaire, mettez toujours qu'il faut que ce soit visible pour tout le monde. Et donc, je réinvite toutes celles qui nous regardent ici sur Facebook de vraiment nous rejoindre. Je vous ai mis le lien Zoom pour pouvoir nous rejoindre, pour pouvoir donc mettre des commentaires et même chatter entre vous. Profitez-en pour chatter entre vous. Moi, je vois le chat de temps en temps. Donc, et ça, c'était le début. Donc, ici, dites-moi un peu dans le chat, qui de vous, dans la participation aussi, a déjà une idée de ces quatre pas? Donc, comment est-ce que je peux avoir une idée de ces quatre pas? Et on va en revenir après parce qu'on va faire le hot seat et on va faire un brainstorming. Les quatre pas, par exemple, dans ma méthode, la connexion au féminin sacré, eh ben, j'ai toujours le même chemin pour moi, qui est la même logique. Donc, on va imaginer autre chose ici, quelque chose de plus facile. Imaginons que je donne un cours, comment faire un gâteau allemand. Ouais, bon, bref. Question. Donc, je veux apprendre à quelqu'un comment... Oh non, on va apprendre quelque chose de mieux. Je vais t'apprendre comment faire une glace. OK. Je vais me compliquer la vie et je vais dire, voilà, quand tu veux faire une glace, tu choisis d'abord les ingrédients. Je vais t'apprendre comment choisir les ingrédients et le bon ingrédient pour ta glace. Semaine numéro 1. Hein, tu les fais aller au marché, choisir les bons trucs. Tu expliques déjà pourquoi tel fruit plutôt que tel autre, sorbet ou pas sorbet. Et alors, tu leur demandes toujours un truc pour avoir la participation dans le groupe. Fais-moi une photo de ce que tu as vu, fais-moi une photo de ceci, cela, ou partage, je ne sais pas, quel est le meilleur marché de là. Tu sais, tu dois donner aux gens, pour que tu aies une activité dans le groupe, une idée de ce qu'ils doivent partager, pour leur faciliter. Et quand ils ont ils sont trop timides, ou manquent d'idées ou d'imagination, ils savent ce qu'ils doivent faire. Deuxième pas, ce serait la deuxième semaine. Bah, ok, maintenant tu veux faire la glace, tu dois t'acheter une sorbetière. Va chercher une sorbetière. Troisième pas, voilà, maintenant tu as les fruits, certainement tu vas le faire dans l'autre sens déjà. Tu as les fruits, la sorbetière, et maintenant je te donne les recettes, tu vas tous les essayer. Ok, et maintenant que tu as fait tout ça, tu as fait des essais, la quatrième semaine, tu es une personne qui sait faire des glaces, et donc on va organiser une fête de famille, et toi tu vas faire cette expérience. Tu vois, c'est complètement débile comme exemple, mais tu appliques ça à ton domaine et tu fais quelque chose de facile. Je lis ici. Alors, voilà, j'ai pas encore une idée. Prévu tout juillet. Dans un groupe Facebook fermé, je vais pouvoir les définir. Oui, Laurence, je vais répondre tout de suite à cette question. Sigrun, elle nous dit, et je pense qu'il y a vraiment une bonne raison, de travailler avec les personnes en 1 à 1, coaching 1 à 1, soit en face, soit en ligne. Et la seule exception à cela, c'est la Somber Summer School. Pourquoi? C'est que tu fais un saut quantique en avant quand tu as une idée. Tu peux aussi faire comme ça, de l'enseigner à plusieurs. Si tu sais l'enseigner à un, tu sais l'enseigner à plusieurs. Et en fait, comme c'est gratuit, ça te donne tout de suite un énorme groupe possibilité. Certaines personnes dans la Summer School n'avaient que 20 participantes, tu vois, parce que, bon, par eux, c'était parfait. Mais imagine-toi le potentiel. Avoir 20 personnes à la fois à guider pendant un mois, et ils savent que c'est gratuit et ils savent qu'en retour, ils vont t'offrir, parce qu'on ne fait jamais rien gratuitement. En retour, elles doivent c'est ce que j'ai dit, tu dois me promettre à me donner un feedback ou un témoignage si tu as adoré. Et donc, moi, j'ai eu les deux et c'était magnifique. Donc, imagine-toi le potentiel, Laurence, de pouvoir avoir un groupe, 10 personnes, 20 personnes, 50, avec qui tu travailles et qui te donnent un feedback, qui te disent « je n'ai pas aimé ça, je trouvais que ça t'aurait pu faire mieux » et qui te disent « mon Dieu, tu as changé ma vie, c'est incroyable ce que tu fais ».
tu es tout de suite, tu fais un saut quantique là, tout de suite dans un autre domaine. Donc, c'est possible, c'est parfaitement possible. Et quand tu es dans un bas, Sigrun, elle te guide d'une manière que ça, c'est accessible et facile. Et moi, je suis là aussi. Ouais. Ok, alors, donc, on va continuer ici ce que je vais donc expliquer maintenant. Donc, tu as compris maintenant, tu as, j'ai expliqué comment on a fait pour être visible. Il y a quelque chose de magique que Sigrun, elle a fait et c'est toujours comme ça qu'elle travaille. Elle t'inonde de cadeaux, des choses que tu t'imagines même pas et je devrais peut-être pas les dire ici pour que ce soit une surprise pour toutes celles qui vont faire cette Samba Summer School. Elle, en tous les cas, elle a fait une page web où elle a mis toutes les sambas et on était 120. Et tu vois tous les cours qu'il y a là-dedans. Et ça, tu sais que tu n'es pas seule à faire ça. Et tu t'échanges dans le groupe. Et ça donne une énergie, ça. Tu te sens jamais seule, avec aucun problème, aucune question, tu restes seule. Tous les jours, il y a des gens qui posent des questions et tous les jours, si on était allé dans le groupe. Donc, je pense que cette fois-ci, ça va de nouveau être comme ça. Et ce support-là fait en sorte… ça vaut de l'or. Parce que tu pourrais très bien te dire, je vais lancer mon tout premier cours en ligne. Tu sais que je ne l'ai jamais fait en 3 ans. En 3 ans, je n'étais pas capable de le faire. Ce n'est qu'avec cette énergie de groupe et avec ce soutien sans faille, avec cette bienveillance de Sigrun, que ça, c'était une joie, c'était comme rien. Alors, Sandrine, je suis un peu en retard, mais en ligne, je ne vois pas ce que je peux enseigner. Ouais, bah alors on va regarder ça ensemble tout à l'heure avec le hot seat, ok? Bien. Voilà, je ne sais pas ici, je regarde à gauche. Donc, dans Facebook, ici, si vous voulez nous rejoindre, je vais arrêter diffusion sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre ici dans le Zoom pour pouvoir, évidemment, être sur le hot seat. Et le hot seat, je ne vais certainement pas le mettre en public comme ça sur la page Facebook. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc, le système que moi, j'ai fait, et tu peux faire beaucoup plus compliqué. Mais moi, c'était la simplicité. Donc, j'ai dit aux gens, écoutez, camping en Corse, vous aurez le contenu et vous aurez mon GSM. Ouais, mon GSM. Et je vais vous montrer les photos et on va parler. Donc, moi, ce que je faisais, comme dans ma tête, je connais mon business, je connais ce que j'enseigne parfaitement. Et donc, le matin, je connaissais mon premier pas. Ouais. Je n'avais pas médité, j'avais pas eu le temps de penser à qu'est-ce que j'allais enseigner. Donc, le matin, je me suis levée à 7 heures avant tout le monde. J'ai pris une feuille blanche. Et je réfléchis, ok, le premier pas, c'est ça. Si j'enseigne ça et que je veux qu'elles travaillent dessus pendant une semaine, qu'est-ce que je vais leur donner à faire? Je vais un peu expliquer le concept parce qu'elles ne connaissent pas le truc. Je vais un peu l'expliquer, la théorie, mais très peu. Et puis, je vais leur donner les choses à faire et aussi très peu, pas plus que 3, parce que ce que j'avais promis, c'est que c'est les vacances pour tout le monde peut-être et que je n'allais pas les submerger. Donc, j'ai donné 3 petites choses à faire dans une vidéo. Et la première, je te la montre ici où elle s'est passée ma première vidéo. C'est vraiment très rigolo. Regarde. Donc, ça, c'est ma toute première vidéo que j'ai faite. Tu vois où je suis? Je suis dans la voiture. Donc, j'ai fait une toute première vidéo où j'ai expliqué comment ça va se dérouler. Et puis, une deuxième vidéo dans la voiture où j'ai expliqué la première semaine et pourquoi dans la voiture. Et tu vois ici, j'avais quand même un petit micro. Ce micro, je l'ai toujours eu. Jusqu'à 2 semaines, il s'est cassé. Et tu me vois que maintenant, je suis avec un écouteur que j'utilise maintenant pour mes… avec mon téléphone, ça marche quand même. Ça coûte. Tout le monde a peut-être un main libre. Hein. Et donc ici, pourquoi dans la voiture? Parce que je ne savais pas très bien où aller sans réveiller tout le camping. Et donc, je suis allée dans la voiture. Attends, on va regarder un peu ici. Donc, ici, notre premier call sur la purification du corps et de l'esprit. Je suis ici, comme vous savez toutes, en Corse. Donc là, je suis dans ma voiture.
pas sur l'ordinateur, donc c'est avec mon GSM. Et je n'ai donc pas moyen de faire un partage d'écran pour vous montrer des slides. Voilà. Alors, et tu sais comment j'ai fait là ? J'avais une ventouse. Attends, je me remets. J'avais une ventouse que j'ai collée sur la vitre de la voiture. Aussi simple. Donc, tu vois qu'avec très, très peu de moyens, tu peux faire ça. À partir du moment que toi, tu es OK avec ça et que tu dis aux gens, écoutez, voilà, ce sera ça. Ça ne change rien au contenu. En réalité, et j'ai fait 4 vidéos comme ça. Donc, tous les lundis matins, je me levais plus tôt, je faisais ma feuille blanche, je pensais au deuxième pas et je pensais à ce que j'allais donner. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas prémédité ça avant. J'ai passé mes vacances et le lundi matin, c'était mon truc. Et je savais que dans ma tête, c'était quand même vraiment clair et ça n'était pas compliqué. C'est un cours débutant, si tu veux. Hein. Tu travailles pas avec des gens qui en sont déjà à des kilomètres. C'était un cours débutant. Et franchement, c'est passé comme des roulettes. Et je pense que chacune qui est ici connaît sa matière beaucoup plus que toutes les gens qui vont rejoindre ta Summer School. C'est ça qu'il faut toujours se dire. Les gens à qui tu as annoncé le truc, à qui tu écris des emails, qui se disent « mais non, mais je sais déjà tout ce qu'elle raconte », ils quittent la mailing list, ils quittent le groupe. Et c'est bien comme ça, tu vas les ennuyer à mort. Et ce ne sont pas du tout tes clients. Par contre, tous ceux qui restent, celles qui restent ou ceux qui restent, ils se disent « waouh, ça, j'ai jamais entendu, c'est super intéressant, je me sens bien ici ». Et donc, c'est la magie de la chose. Tu ne dois pas te compliquer. C'est ton cours débutant, si tu veux. Et donc, ça, c'était le truc. Tous les lundis, je faisais ça. Et ça, c'est j'avais appris ça chez Sigrun. Et Sigrun réexplique ça. Tous les vendredis, donc, j'avais mis un post aussi. Tu sais, avec Facebook, tu sais mettre des posts avec tes couleurs. Toutes tes questions ici dessous. Et donc, ils mettaient ça à un seul endroit, les questions. Comme ça, je ne vais pas chercher pendant des heures. Et le vendredi, je faisais un Facebook Live. Et je répondais à toutes les questions. Donc, je n'allais pas répondre illico presto tous les jours, tout de suite, chaque seconde. Moi, j'étais en vacances et je leur ai dit. Par contre, c'était tellement génial. Ça m'a rempli tellement de joie. Toutes ces femmes, 50 personnes pour la première fois dans ma vie, qui vont mettre ça en pratique. Tu sais, je n'ai jamais eu ça avant. J'ai vraiment jamais eu un groupe avant. J'avais eu... Combien des clients, je ne sais pas te dire, 2, 3, 4, tu sais. Je travaillais, je faisais un travail et dans mon travail, ben, c'était super compliqué parce qu'en réalité, c'était une situation ambiguë. J'avais mon travail presque à plein temps et je ne pouvais pas encore travailler me construire un business. Donc voilà, c'est un grand handicap. Et donc, boum, tout de suite là, je fais ce cours. Comme il était gratuit, j'avais le droit, franchement dit. Et donc, je n'avais jamais vu ça. Et là, je vois toutes ces femmes mettre ça en œuvre, mettre des photos, partager des trucs. Je peux te dire que j'ai passé, parfois mon mari dormait, moi j'ouvrais mon téléphone et je regardais, je me dis « oh, c'est trop chouette !» Et je mettais les commentaires et alors on avait des interactions, c'est « waouh !» Rien que ça, c'était absolument magnifique. Avec cette légèreté, avec cette joie, c'était vraiment incroyable. Donc, fais ça tous les lundis, tous les mardis, à n'importe quelle heure. Je leur avais dit, écoutez, et je fais ça toujours encore. Je ne m'engage pas à une heure bien spécifique. Vos questions, vous regardez mon Facebook Live quand ça vous arrange, mais moi, je réponds, je vais en ligne quand ça m'arrange. Et donc, c'est parfait comme ça. Et donc, on a simplement fait ça pendant les 4 semaines. Et à la fin, j'ai fait un webinaire pour expliquer, pour clôturer, faire un rituel de clôture. Et ça, c'était ma... Ici, je vais te montrer encore un deuxième vidéo. Là. Voilà. Ici, tu vois, c'est un module où j'enseigne. Je suis quelque part près du camping et j'enseigne l'ancrage. Et cette vidéo-là, elle n'a pas marché. OK. Qu'est-ce que je voulais encore te montrer? Je te montre le groupe Facebook. Donc, j'avais créé un groupe Facebook, La magie d'être une femme.
Et il y avait donc 50 personnes dedans. Ce groupe, ce cours, je l'ai redonné déjà 3 fois. Et donc, les autres qui n'ont pas re-acheté ou re-intégré le groupe, ils ne l'ont pas refait. Je ne les ai pas laissés dans le groupe. Mais tu vois, ici, on a des échanges, des chouettes échanges. Attends, je vais te montrer les photos parce que je trouve ça trop touchant, toutes ces photos de toutes ces femmes, ils embrassent des arbres, tu vois, on échange des danses, on danse là-dedans, on fait des rituels, c'est incroyable, vraiment la beauté des tu vois, tous ces échanges ont eu lieu dans le groupe ici, tu vois, c'est incroyable. Il y a aussi des vidéos, hop, que les gens partagent, les gens ont dansé dans le groupe, tu vois, ici. Moi, je suis allée en direct et voilà. Alors, est-ce que c'est ça que je... Est-ce qu'il y avait encore quelque chose que je voulais te montrer? Oui, la Samba Summer School. Ah oui, ben c'est ça, j'ai déjà montré. OK, donc ça, c'était ma Samba Summer School. Et ce que je veux encore dire, et c'est un conseil que je vais donner à toutes celles qui font qui vont faire cette Summer School. Moi, quand la Summer School était finie, j'avais ces 50 personnes. Et à la fin... Elles étaient là, oh, on est si triste que ce soit fini, comment est-ce qu'on peut rester ensemble? Et moi, à ce moment-là, je n'avais pas réfléchi qu'est-ce que je pourrais faire pour continuer à les accompagner. Je n'avais pas réfléchi à ça. Et il y a d'autres personnes qui ont fait la Summer School, tout comme moi. Et si vous avez des questions ici, mettez-les dans le chat, si vous avez des questions, d'autres questions que je n'ai peut-être pas répondu ici, ou je n'ai pas abordé. D'autres dans le cours, parce que Sigrun a dit, voilà, maintenant, ces personnes, on travaille avec vous gratuitement. Il y en a certainement des personnes qui ont adoré travailler avec vous, faites-leur une offre. Moi, je n'avais pas réfléchi à ça, qu'est-ce que je peux offrir? Et c'est très bête, je n'ai pas fait d'offre, donc je n'ai rien vendu non plus. Et il y a des femmes qui ont fait la Summer School, et je ne sais plus qui c'était, qui a gagné 17 000 euros direct. Elle avait beaucoup plus de personnes dedans. C'est vrai, peut-être qu'elle n'était pas au début du business, mais elle a, je sais plus ce qu'elle a vendu. Et je pense qu'elle a vendu des coachings en individuel à tant de gens que c'est ça. Donc, et elle avait rejoint Zomba comme moi en janvier. Donc, tu t'imagines, tu payes 2500 euros pour rejoindre Zomba. Et un mois après, parce que pour toi, ça va être un mois après, tu gagnes de l'argent. C'est totalement possible. Si, je pense que si ces femmes-là, une cinquantaine de femmes, je leur avais offert même un petit truc du genre un coaching, un travail avec moi pendant un mois ou 2 mois à 120 euros, même que ça, fois 10, hein, c'est ça, j'aurais déjà presque fois 20. Ou un prix plus cher, 120 euros, c'est franchement quand même rien. Je suis sûre que j'aurais déjà récupéré tout de suite ce que j'avais mis. Donc, en attendant, bien sûr, la Summer School, je l'ai répétée et j'ai eu, grâce à cette Summer School, beaucoup d'autres clients qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre avec moi. Et bien sûr, j'ai récupéré ce que j'avais investi dans Zomba déjà plusieurs fois. Et ici, Sigrun, elle va donner donc cette possibilité à tout le monde. Et donc, c'est juste une manière absolument... Je ne sais même pas quelle serait la raison pour ne pas rejoindre Zomba, parce que rien que la Summer School vaut le prix, parce que tu peux le récupérer en double, en triple, en quadruple. Voilà, alors, je vais arrêter là le partage ici sur Facebook. Donc, si vous voulez être sur le hot seat, si vous voulez qu'on regarde votre idée de business... ou votre flou et que vous n'avez même pas encore une idée, vous pouvez à ce moment-là rejoindre ici maintenant le call pour qu'on puisse regarder. Je consacre quelle heure il est. On peut consacrer même une heure encore à ça. Voilà, oui, bonne idée. Alors, très bien. Au revoir à tout le monde sur Facebook. Rejoignez-nous. Le lien, vous l'avez. Cliquez dessus et venez dans le Zoom là, maintenant tout de suite. Et je vais donc arrêter de partager sur Facebook. Merci.